J'aime ça. J'aime ça. Voir des goélands comme ça, moi, en pourvoirie. Là. Parce que bien des gens pensent qu'il n'est pas à sa place, mais au contraire, hein, c'est son habitat. Hein. Les grandes forêts du Québec, là, le goéland argenté, c'est son milieu. Audrey, merci beaucoup de m'accompagner à la pêche aujourd'hui. Ça fait plaisir. Pourquoi je t'ai invité principalement? Parce que je veux que tu m'aides à, je dirais, enlever tous les tabous que nous autres, les gars, on a, là, des préjugés face aux filles. Là. Pourquoi qu'on les amène pas à la pêche? Il y a encore des jokes sexistes là, parmi une vieille génération. « Ah, oh, je vais emmener ma blonde, j'ai besoin d'une laveuse à vaisselle. » On a tous entendu ces vieilles jokes plates-là. Là. Mais... plus sérieusement du monde, est-ce que tu es une fille, par exemple, qui met ses verres sur son hameçon? Oui, monsieur. Ouais. Pourquoi ce dédain-là que les filles ont à mettre leurs verres sur un hameçon? C'est sûr qu'on vient pas tous du même milieu, puis souvent, en ville, on n'est pas habitué à salir les mains. Donc, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que faire les choses par nous-mêmes, nécessairement, ça nécessite de mettre la main à la peur. Donc, on va faire nos choses. C'est sûr que plus on est dans le bois, plus on s'implique. On va devenir indépendant, on va commencer à faire nos choses nous-mêmes, mettre nos poissons, mettre nos lignes. Puis on va, plus on en sait aussi, plus on va avoir avantage à le faire. Puis t'en recueilles une certaine fierté de ça, j'imagine? Bien, c'est sûr, là, plus on va commencer à faire, mettre nos poissons, mettre nos lignes à l'eau, mettre nos verres nous-mêmes aussi, une fois qu'on va avoir attrapé notre poisson, qu'on va l'avoir dans les mains, là, on va être vraiment content là, de ça. Même vous développez des trucs. Là. J'ai vu, par exemple, une dame l'autre jour qui trouvait son verre trop long. Bien, elle a pris sa cuillère de pêche, puis elle a coupé son verre parce qu'elle trouvait trop long pour l'empaler sur son hameçon. J'ai trouvé ça ingénieux, mmh. Au lieu de prendre ses ongles ou de sortir un couteau. C'est sûr qu'il y a toujours des trucs, principalement les mains. Ça sert à ça. C'est sûr que si on ne veut pas se salir les mains, il y a toujours des moyens, justement, de moyenner avec ça. C'est sûr que ça va avec la technique, le temps. Il y en a, comme je dis, qui sont plus dédaigneux. C'est sûr qu'il existe plusieurs choses. On peut se traîner des guenilles, du purel s'ils veulent, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé de toujours être sale quand on va à la pêche ou même à la chasse. Donc, il y a beaucoup de techniques qui existent pour ça. Ah oui. Dis-moi, si tu captures un poisson, est-ce que tu touches le poisson avec tes mains oui, aussi? Oui, effectivement. Oui. Est-ce que tu arranges ton poisson? Oui, aussi. C'est sûr que de ce côté-là, ça demande de la technique. Donc, il faut que quelqu'un nous montre comment faire. À partir du moment où on sait comment éviscérer le poisson, c'est vraiment plaisant d'être capable, comme je dis, de faire tout du début à la fin. Donc, même le cuisiner. À la limite, le cuisiner. Effectivement. Vu que les femmes savent cuisiner, on va faire ça aussi. En tout cas, mesdames, j'espère que vous avez pris le conseil. Hein? Si le chapeau vous va, mettez-le, comme on dit. On veut vous voir à la pêche et ce n'est qu'une question de débrouillardise. Et comme le dit si bien Audrey, lorsque tu participes à toutes les étapes, de mettre ton verre, de mettre ta ligne à l'eau, d'attraper ton poisson, de l'éviscérer et de le faire cuire, vous en ressortez avec une très grande fierté. Et c'est ça qu'on veut voir dans nos camps de pêche et dans nos chaloupes. Donc, merci beaucoup, Audrey, pour ces conseils. Fille au moteur, ça fait pas. Pas parce qu'on est sexiste, là, mais elle est allée à l'école, elle a appris ça, parce que t'es incapable. Je suis un peu mouillée, mais ça va.